Hello la famille, comment nous y est? Moi espérer nous tout nous en forme, espérer n'ap kembe. Et nous remercier toutes amis qui étaient toujours été connectés ensemble avec nous et qui toujours a fait nous signe qui fait nous connaître. Travail n'ap fait, c'est un travail qui impeccable. Moi le montrer où côté nous cocorate en pile, nous les haïtiens. OK? Et dans émission ça, nous pral analyser, nous pral traiter un dossier, nous pral montrer où toujours dans ça qui gien avec scandale qui gien dans justice haïtienne là. Moi le montrer où. Parce que gè action lè opposé, faut gè yon moun ki éclaire l'antenne nous sous li pour faire nous connaître. Gè tel action k'ap passé là. Écoutez, il est pas de mise du tout pour nous continuer là-dedans. La police toujours pas gè nouvelle de policier ça, policier 27e promotion nèg exam village de Dieu te prend nan rue pavé, bon commissariat cafétéria côté yo te attaqué bakop la te gen deux policiers gen yon nan yo qui blessé par balle mais qui prend la fuite qui rivé sauver et puis gen yon lot nèg yo prend monsieur yo aller ensemble avec li et yo aller ensemble avec bakop la mesdames messieurs ça t'est passé mardi qui sont passé là et ben nous dit nous pral montrer ou nan dossier qui gen là dossier scandale justice moi dit ou go côté ni koko rat pile comment comprendre juge Ramon Sit Aksime le peuple d'armée nous prend d'armée comprendre ça m'a dit là. Nous connaissons déjà, nous vin ou ben voye monte, vin di pil bagay, nous vin analyser, traiter ensemble avec vous. Et ça kem dam, ou rete connecté ensemble avec nous, ou même qui toujours fidèle avec nous, eh ben, ou connaissons déjà, le nous vini nous même, nous fait grand lame d'analyse. Comment comprendre? Le juge Ramon Sit Aksime, juge qui responsable, pi gros scandale de corruption dans pays ya, Petro Caribe, et puis pour juge ça le pas certifié. Le peuple qui l'a pas comprendre ça Esdras Fizeme veut dire là. Ou qui l'a pas comprendre. Le juge Ramon Sit Aksime. C'est monsieur qui en charge du dossier Petro Caribe. Monsieur li pas certifié, nous cocorate en pile. On comprendre. Puis gros scandale de corruption, hein. Ou pas comprendre ça. Un dossier aussi important moun ki en charge pour gérer dossier li gen des mêlé avec la justice li nan corruption écoutez oy nous rase non nous rase en pile kou do pral zim bon OK nan dossier pas certifié ça goun bagay m bezwen comprendre m konnen ou même ki konn tout bagay peut-être ko ka aide m comprendre écoutez on a ki pas certifié et pour nèg la gen toute année ça de carrière côté CSPJ pour ça aujourd'hui là on sorti rapport ça yo question nèg la pas certifié et nèg la gen plusieurs années de carrière gen nèg la qui gen 10 ans la professeur métier là comme juge elle pas jamais certifié nèg la gravi échelon li rive commissaire du gouvernement monsieur nous ka expliquer ça. Nèg la passe un paquet étape, li rive commissaire du gouvernement. Mais c'est jodi là, y a dit moun sa le pas certifié, conseil de papier te doit remettre, il pas remettre. Qui vérité gen nan bagay ça? Et ça que me dit, des positionné nous montrer à clair côté nous cocorate. Dossier Petro Caribe mesdames messieurs. Bon ouais, bon m'a montre l'autre bagay. Gardez pour ouais, jugera mon site qui sous dossier Petro Caribe, gardez pour si souche li pa PHTK. Moi m'clair avec vous. Gardez pour et wa saisi ouais en pile nan juge sa yo qui côté yo branché. Juge ouais yo écarté là yo, on vingtaine ou trentaine même. Gardez pour si souche yo ou bien côté yo connecté, est-ce que yo pas de souche PHTK? Alors là, le rivière dans situation pareille, mesdames messieurs, dit me sauvle. Oui, nous voulons un pays avec ça, avec de telles mentalités. N'a pas retourné sous lui. Moi, faut attendre Lionel Lazare qui c'est porte-parole. Monsieur c'est porte-parole Sinapoa. Monsieur cap expliquer incident qui passait dans cafétéria dans rue pavé. OK, tout près banque centrale. Même ou comme ça fait mettre accent pour me dire tout près banque centrale. L'autre dit cafétéria côté pour bandi ça ou ta passé a. C'est exactement bon banque centrale pour yo passer. Ou là, celle-là oui pour passer, bon banque centrale pour passer oui.
pour yon passe bon cafétéria pour yon commettre Zakioa. Et yon gen toute chance. Yo fin pose action, yo ala avec machine nan, yo ala avec policier. Et gen même bruit geto fè kwè, policier a mouri, yo tué, yo brûlé, etc. Gen gen pile bruit geto fè kwè ça là. Bon ceci n'empêche pas cela parce que nous tout nous connaît lundi nèg village de Dieu, nous tout nous songe ça ote fait déjà avec pile policier nous tout nous songe. Lionel Lazare qui se porte-parole Sinapoa, monsieur qui a dénoncé comportement lâche institution la police la gagne chaque fois un policier victime ouais pendant année là ça veut dire dans 3 à 4 policiers mouri je dis à combien nous 18 vous comprenez donc on est arrivé dans une situation pareille mesdames messieurs écoutez même faut attendre Lionel Lazare. Et matin intervention maintenant, c'est que la base est sous deux faits, mais moi estime que qui est extrêmement important. Premier bagage là, c'est que je dis à nous capables de constater que depuis commencement et année, j'en ai toujours on dit la police tourne, policiers tourne cible ont ensemble des bandits dans l'aire métropolitaine. Hier nous capables de constater le gagnant un policier qui perdit la ville et puis il y a un autre qui blessé. Et une des bagages qui fait nous mal, c'est parce que nous, c'est façon que nous ouais gens que policiers yo même yo a tombé. Moi même pensais que ça qui passé hier là et ça qui passé qu'a faut faire là tout, chaque policier doit prendre exemple. Moi même matin là n'a parlé avec policiers yo et puis n'a parlé tout avec responsable qui dans commissariat yo tout et nous bien content tout hier directeur général la police là monsieur Fonselbe li fait une rencontre sur ça pour permettre que responsable yo gain contrôle policier les policiers vinn travail et permettre tout gain sacré les briefing qui fait pour policiers yo chaque matin les policiers yo pour aller travailler. Moi même matin là m'a dit collègue policier nous yo situation li vraiment compliquée. Même Jean Jodi a nous féliciter en groupe policier nous félicitons police à chaque fois qu'ils font bagaille qui bon mais nous en mesure en tant que syndicat pour nous reprocher tout des fois comportement Jean que policier yo ouais on série de bagaille. Ça passe qu'à vous faire là. C'est moi-même li clair que je dis à la fois que les policiers ne pas mettre dans une position pour faire un ensemble de choses que vous pas dû faire dans le cadre de travail. Nous vivons dans un contexte qui est extrêmement difficile. Et puisque le contexte est difficile, nous croyons que tout le monde suppose, tout le policier doit entendre pour être capable de comprendre que dans le moment que nous vivons là, il demande que faut que nous réfléchissions par rapport avec les gens conjoncture là hier. Hier, policier, il a pris quoi? Il est ensemble avec lui. Moi, apprendre que c'est deux policiers seulement qui étaient dans un backup. Et en balade, là, son zone qui est extrêmement difficile. Est-ce que responsable commissariat a été contrôle deux policiers qui étaient dans le backup là pour compte? Ou du moins, est-ce que c'est policiers qui étaient déplacés sans que responsable là n'est pas au courant que policiers ont été déplacés? Nous-mêmes, au niveau Sinapoa, nous croyons que faut policiers fassent un pile prudence. Nous vivons dans un moment qui est extrêmement difficile. Matin, je parlais avec un cousin policier qui mouria. Il dit comme ça que yo même au niveau par où il a fait démarche, il a fait une parler avec monsieur pour voir comment qu'il était capable de jouer une croix. Et c'est bien dommage, monsieur dit que c'est pas fait attaque là, il y a pas un policier qui n'en met yo, il y a pas connait que il fait attaque. Moi même guerrier et ça va passer vraiment triste. Faut que l'État crée conditions pour les policiers capables de travailler. Si l'État n'a pas créé conditions pour les policiers capables de travailler, eh bien, ce qui est capable de passer là a toujours passé. Donc, il faut que le conseil de responsable dans la police prenne responsabilité, responsable commissariat, responsable base. Il faut faire un briefing chaque matin pour les policiers, pour nous faire, pour nous parler avec eux, pour nous faire comprendre la nécessité qui gagne. Si ou non PFA, avant de déplacer pour aller non PFB, il faut qu'on aller à Baza pour dire Baza, mais ça vient là, moi je voulais aller, est-ce que je suis capable d'aller? Il faut que les policiers ne parlent pas de quoi.
parce que ennemi a veyo nous voye sympathie nous bail toute famille policier ça yo et on l'autre fois encore n'a mandé directeur général la police pour l'encourager dans le travail ça que lui commence à faire et encourager responsable permettre que yo capable prendre disposition et permettre que yo gain contrôle policier à tout si policier a vinn travail il pas non PF dans commissariat l'a déplacer faut que responsable a gain contrôle pour le policier ça laisse à me penser que c'est pour bien-être pour policier c'est pour permettre policier capable la victime. Mais écoutez, selon moi même nous fait carré plein. Lionel Lazar fait carré plein. Parce que pas jamais gagner des dispositions sérieuses réelles qui fait ou bien qui prend pour policier yo suspend servi proie au bandit. Malbon. C'est vrai ou capable dire c'est dans film. Mais ou qu'on a regardé, pas oublier film yo, yo pas écarté de réalité ya. Vous comprenez ça? Film n'a pas écarté de vraie réalité. Même ou qu'on a regardé dans film pour eux, on green police rivé non basse gang, nèg yo déposé ça moi. On green police. Li pas fait course à tout côté. OK? Mais ou a joine ça? C'est juste pour monter ça dans les autorités de l'État. Policier là ils vont côté gon respect gagné. Oh, kounya ouais. La police en Haïti tellement font seul avec bandia, bandia pas go ti cal respect pour policier et c'est ça qui fait mesdames messieurs, ou après policier a toujours victime, gens ou a victime là. Pas jamais gon réponse proportionnelle qui baille. Chaque fois bandi yo touyon policier. Nous tout nous songe Jean Lamoi sans jou avec toute bande liyan. Yo humilié cadavre policier ça. Inspecteur nous tout nous songe. Nan kwa de bouquet, y'a le prenant dans l'église. Aucune réponse pas de baille. Kounya n'a plein, chaque fois un green policier tombé, nous obligé à plaigner. Mais écoutez, qui est-ce qui l'a gagné là? Qui est-ce qui mettait dans situation ça? Si pas j'aime un plan réel pour river sous malandre yo, pour river sous bandi yo, n'a toujours style rete dans sa là. Parce que bandi yo même d'aime toujours dit yo gen gros bras derrière banane yo. Bandi yo même yo bien souché. Vous comprenez ça? Bandi yo mettait en une situation mesdames messieurs côté que yo jwenn backup on série de leaders politiques et on série de membres secteur privé des affaires tant que moi le secteur privé des affaires cap critiquer ou bien cap pa connait non cap mandé la police pour prendre toute disposition réelle parce que nèg la saline a détourné camion et yo dit qu'il y a environ 17 conteneurs yo détourné là au total 17. Qui est-ce qui détourne le bandit? Qui est-ce qui crée le bandit encore? Et pas même le secteur privé des affaires ça yo, pour protéger le business, yo, pour protéger bien. Yo, yo monte un groupe gang dans le pays. Et mais jodien là, mais ça gang yo a fait. Et kounya y a plagé chay sous de la police. Y a demandé c'est la police qui vous prend disposition. De qui disposition a parlé? Nous fin la ge pays dans l'Italie là. Nous fin traînons le pays dans la boue. Et c'est ça que faut la justice nous dans l'Italie là. M'a demandé. Est-ce que c'est pour mal nous te fait qu'il faut aujourd'hui là mesdames messieurs n'a payé tout ça n'a payé là le karma mais problème qui gagne dans karma si c'est malandre yo seulement que t'es payé tout le monde t'a comprendre c'est parce que population li même tout li vient à payer un paquet population li n'a payé un pot cassé li vient à bailler la purée pour tel pas manger poids parce que regardez si toutefois c'est autorité yo. L'on dit autorité, mesdames, messieurs, n'a pas parlé de nèg qui gagote l'argent l'État. Si c'est eux-mêmes, si Kama se nan kol te tourne, nous tap di nous jouen justice. Tant kou, Jean-Marie Guillaume qui mouri tout dernièrement là. Ouais, Jean-Marie Guillaume mouri bagan, bruit bagan, hein. Et si wap gade commentaire que te genye sou réseau, wap wè tout commentaire ou nan ki sens yo ale. Ça veut dire, population vin conscient de niveau mal, de niveau cruauté nèg sa yo. Donc chaque fois nèg sa yo gon bagay ki rive yo, au lieu pour population t'a prend la peine pour yo, au contraire, population c'est bravo le bat. Maintenant, nous dit on nèg tankou Ramon Sit Aksime. Juge Ramon Sit. Je fais partie de yon nan juge qui plus populaire actuellement là, nous d'accord sur ça. Eh ben, populaire monsieur Alvin est sous plusieurs façons. Pas oublier, c'est Ramon Sit Aksime qui responsable
dossier Petro-Caribéa. Tendez bien. Et même mesdames, messieurs, vous comprenez. On a qui un dossier aussi important, aussi sensible dans mail. Le peuple veut nous comprendre. Je n'ai pas de problème personnel avec qui au monde. On a qui un dossier aussi sensible. Et je dis en la poutande, Ramon Sit Aksime, li pat certifié, alors que gen le dossier de Petro-Caribe nan mel, pi gros scandale qui gagne, nous a fait dilapidation fond en Haïti, pi gros scandale de corruption. Et nèg sa, gose de étape li pa franchi. Nèg sa nan corruption, parce que de pou nan fè faux papier, c'est corruption lié. Bagay la compliqué. Petro-Caribe, oui. L'on parle de Petro-Caribe, mesdames, messieurs. Goun mè kip moun ki épinglé la den. Parmi moun sa yo. Dimitri Vob. Martelly, Jean-Max Belrive. Bon, hey. Goun nèk mba jem tande n parle de li nan dossier Petro-Caribe. Kote Jean-Max Belrive. Adje. Kote Jean-Max Belrive. Ancien premier ministre sous Préval. Jean-Max Belrive. C'est monsieur qui te gagne comme responsabilité. D'ailleurs, c'est monsieur qui fait premier décaissement, yo. Toute première résolution, c'est Jean-Max Belrive, oui. Ma chambre t'a dénoncé, non? Cité, non? Et c'est là pour montrer, yo. L'homme d'où n'a yo bien souché, ya. L'homme d'où n'a yo gon jan. N'a yo gon jan, yo bien. Yo bien planté. Yo gen contrôle appareil justice, là. Yo gen contrôle tout le monde, tout juge, ya. Mette yo gen contrôle tout le monde. Mais encore une fois, moi, m'a toujours dit, c'est bien côté mal calculé. Le nèg yo pense, c'est au même cap continue faire et défaire. Le nèg yo mette en tête. Après, au même, c'est toujours au même. N'a privons le. Faut que justice la ralon ouf. T'as qu'on des amis qui dit, y'a privons le, y'a une diarrhée verbale. Faut que yo parle quand même. Et n'a mette yo à terre parce que, mesdames, messieurs, pour nous épurer pays ya, et songer y'a m'de dit ou. Pour nous dériver. Dans niveau de rivière là, ou bien pour la République Dominicaine, t'es arrivé dans niveau de rivière là, c'est 80% juge. Yo t'es révoqué dans le système là. Pour être capable d'épurer, pour être capable de contrôler plus ou moins. Quel que soit le pays, toute réforme que vous voulez faire, ne vous pas faire dans la justice ou pour que jamais rien. Parce que depuis justice là, en forme, le pays n'a pas capable de marcher. Ça va bien sortir de là, ça n'a pas besoin de équation, non? Ou a besoin de paquet de bagay, non, pour comprendre ça. Depuis justice pays a bien marché, pays a pas capable de prendre le développement. Et chaque fois, gardez pour état pays a, ou mettre tout gardez état justice li a. Sou qui base, ou mettre un commissaire du gouvernement, pendant ce temps, ou pas de garder dernier papier le dégain. Sou qui base, sou qui critère. Ou pas garder dernier papier nèg là. Ramon Sit Aksime. Monsieur qui responsable dossier Petro-Caribe, monsieur pas certifié. Donc monsieur dans corruption. Bon, go la juge dans système non. Ouais nèg ça, retirer volant metel, retirer chat metel. Au nom Dieu lui. Eh, je dis plutôt petit papa. Nous songer au nom Dieu lui. T'es impliqué nous c'est de zak malhonnête, nous c'est de dossier corruption, question location machine. Et mais qui est-ce qui te lave au nom Dieu lui? C'est petit papa oui. Hein? C'est juste petit papa qui te lave au nom de Dieu lui. Lave visage, monsieur. Mettez monsieur clean, oui. Et mais je dis en là pour apprendre. Je dis en là. Je dis ou petit papa, monsieur, pas certifié. Je ne pas comprendre. N'a qui conseille de dossier sérieux dans mes oui. Vous comprenez ça? N'a qui conseille de dossier qui t'a capable d'aider la République. Retirer ou encore récupérer une quantité d'argent. Mais vous attendez nèg ça yo. Yo impliqué dans la corruption. Négal fait constat légal, là fait constat un cadavre. Li jeune cadavre là te gen bijou sou, li vole bijou la lavel. Bon mes amis, est-ce que nous c'est moun? Est-ce que nous pas dernier reste moun non? Négal joue un cadavre là avec bijou sou, li vole bijou la ensemble avec lui. Est-ce que ça a ka moun? Elle rele tête li gros juge. Maintenant, par rapport avec mesure ça yo, qui ça la loi dit et qui instance qui responsable pour faire suivi yo? Faut qu'on connaît CSPJ, li sorti rapport, mais CSPJ
pas vraiment gen grande décision capable prendre, comprenez bien. Instance qui t'a de prendre décision contre moun sa yo, li rele le ministère de la justice et de la sécurité publique. Kounya la? Là nous comprenons, Bertodor se fin passe comme ministre de la justice. Li fait tout radot li fait la yo. Administration sa toujours sous l'obédience. Bertodor se. Malgré nous, Emily Prophète, c'est lui-même qui ministre. Mais Bertodor se, c'est lui-même qui toujours a dirigé boîte ça, en quelque sorte. Kounya la? Comment le ministère de la justice li pral prendre des mesures? Comment le ministère de la justice li pral prendre des mesures contre juge sa yo? Mbal faut entendre Evans Fils qui c'est youn nan juge, youn nan conseiller CSPJO qui a parlé de mesures ça, qui a parlé de on dit parce que ou konnen li important, il faut que nous tendez une série de moun nan dossier ça. Faut que nous tendez moun qui connaît qui pour expliquer bagay là après rapport ça fin sorti, et ben prochaine étape là qui ça la pied, prochaine mesure c'est qui ça la pied. Faut que nous tendez moun pour nous ka connait exactement qui ça ka fait. Entendez Evans Fils qui c'est un conseiller CSPJ qui a expliqué le dossier, qui a expliqué la prochaine étape là, mais qui s'est capable. En suivant ça. Maintenant, le CSPJ avait pris une résolution selon laquelle, lorsque un membre, un enquêteur, relève un magistrat pas venu, il a relé en deuxième fois. Et lorsque nous disons relé, c'est des documents, des correspondances écrites avec accusé de réception qui dit magistrat en son domicile, il était recevoir invitation. Maintenant, s'il pas venu en deuxième fois, après la troisième fois. Et tout document ça yo, qui accusé de réception ça yo, yo doué faire partie de rapport là. Maintenant, si le magistrat souvertine, il y aurait l'autre trois fois ou pas venu, certification à soumettre rapport là. Parce que il n'est pas responsable sous Pavini, parce que pour certains magistrats, c'est une stratégie qu'ils ont utilisée pour endommager le rapport, pour faire obstruction à l'opération de certification. Donc, nous avons des cas rares, côté magistrat, ils recevoir document accusé de réception disponible, ils pas venus. Donc, lorsque le dossier et à rapport en soumettre à conseiller maintenant conseiller pour aller réunir en conseil en séance pour yo faire connaissance avec rapport là pour la première fois conseiller pas participer dans enquête là si yo réuni un jour jeudi par exemple yo ouvri document magistrat X c'est pour la première fois yo pral faire connaissance à qui ça dit de magistrat X. Maintenant, les conseillers qui se travaillent pour le faire, ils vont apprécier le rapport là dans son ensemble. Ils vont feuilleter le rapport là, chercher ouais, est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que la méthodologie n'a pas été biaisée? Ça, c'est le premier souci conseiller. Maintenant, si la procédure n'est pas biaisée, si la procédure est respectée, conseiller maintenant pour apprécier ça qui dit, hein, document yo, moyen de preuve yo. Maintenant, yo pral décider d'après conviction yo. Chaque conseiller a décidé d'après conviction et la décision est prise à la majorité. Si y a 9 conseillers, par exemple, ou bien 6 qui dit, monsieur ça, qui souvertit, non, magistrat ça, li pa gen intégrité morale, alors la décision est maintenue, pas d'intégrité morale. Donc, c'est brièvement l'essentiel de la méthodologie. Maintenant, nous t'allons intervenir sur question de voie de recours que et ça, tout à l'heure, pas de parler de nombre de conseillers, sûr que non, partagé, mais toujours la majorité prime. Et vous-même, vous avez des fonds campés, c'était démissionné, et que vous recommencez, vous retournez. Vous retournez, vous dites que vous avez démissionné. Oui, effectivement, puisque moi appartenir à la Fédération des barreaux d'Haïti, je fais partie du pouvoir judiciaire, j'avais soumis et mon intention de démissionner, ma position de démissionner à la Fédération des barreaux d'Haïti, et j'avais remis les matériels qui étaient en ma possession, dont voiture officielle, et moi j'étais campé. Cependant, puisque moi représentais la Fédération des barreaux d'Haïti, les bâtonniers des 18 juridictions étaient réunis, ils ont dit que ils n'ont pas
accepté démission et que yo pas fait élection pour nouveau représentant de la Fédération de Bao et ont demandé pour me rester dans poste moi. Puisque poste ça son poste public lié ou en droit public ou pas agir même genre ou dans fonction privée, donc reprendre fonction, reprendre matériellement, reprendre machine officielle, reprendre poste moins et Fédération de Bao et comprendre qui intention de gagner et yo même tout comme fédération souci pour respecter la loi, il était toujours allé dans culture respecter la loi. Donc je dis à moi là. C'est une intention de démission ou démission t'es effectif et, alors pour qui ça ou t'es en droit public, ou t'es pensé démissionner en droit public ou en droit public ou pas été consort démissionner ou pas été consort démissionner, c'est pas une affaire privée liée. Même on fonctionnaire de l'État, un simple fonctionnaire de l'État n'est pas arrêté consort démissionner, c'est un processus lié à la démission. Donc c'était une intention parce que c'est une décision la révocation et la démission, c'est une décision administrative. Donc oui, c'est une intention. Donc de ma part, l'intention était ferme, mais du côté de ceux que je représente, il fallait prendre en compte leur position. Action antérieure, motif démission ça. Motivation, c'est que le gouvernement t'es pris en direction que moi je suis pas capable d'accepter et depuis ma conviction, c'est que t'es en velléité pour créer la Cour de cassation sans le respect de la procédure ou sans le respect de consensus judiciaire. Parce que lorsque dans des situations spéciales, ou capable de prendre des mesures spéciales, néanmoins qu'on respecte les principes généraux du droit et au débouché sur ça me relève en consensus judiciaire. Donc nous devons situation que moi je n'ai pas accepté que yo nommé 10 juges sans que yo pas gagné et aval et CSPJ, que procédure yo pas respecté et devant ce fait me de proposer des missions. On va aller rapide comme l'avancer sous nous, cher maître. Avant nous venir sous question recours là, d'ailleurs, on partage avec auditoire Caraïbes qui ça, qui en tout cas action ou bien acte reproché à magistrat qui par exemple pas certifié ou qui ça y est, qui ça qui était répété que reproche qui ça a été en général. Bon, dénominateur commun, c'est la corruption. C'est la corruption, c'est des magistrats qui recevoir des pots de vin, qui ont une technique pour prendre un corps dans les justiciables, pour bah, au service, pour poser des conditions, et parfois, dans l'affaire terrienne, ils jouent une terre, ils jouent partager avantage avec les justiciables. Donc, je pense que le point commun, c'était la corruption. Cependant, nous avons d'autres cas qui répétaient, donc, au monde qui n'a pas des documents suffisants, ils ont le bac 1, bac 2, il y a une ni bac 1, l'autre, il y a une licence qui n'a pas une licence. Donc, des gens qui n'ont même pas faux documents. Donc, nous gagnons moun qui a coopéré avec bandits, la gué bandits sont pas respecté procédure et donc c'est genre de cas ça nous gagne qui tournait autour de corruption et des fautes professionnelles graves parce que magistrat non seulement moralement li gagne en ligne pour le suivre mais en termes de procédure judiciaire chaque action au magistrat fait li gagne en principe pour le respecter, il gagne des textes pour le respecter, s'il pas fait yo mais ça agit selon lui-même, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations de magistrat. C'est pas arrivé que nous pensions à rendre public un rapport d'enquête, ça, rapport de certification en lui-même. Rapport de certification, c'est un travail technique lié. Je crois que le peuple, la population, attend résultat de travail là. Pas quoi qu'il est nécessaire jusqu'à présent. Ça, c'est mon opinion, c'est pas l'opinion du conseil. Pas quoi qu'il est nécessaire pour nous rendre un rapport public, même quoi nous carrément résultat public, nous carrément position publique et probablement capable consulter un rapport, même genre toute magistrat est consulté là, mais rendre public à présent pas opportunité. Et processus de certification, il concernait toutes 18 juridictions, 185 tribunaux de paix, c'est ça?
Bien sûr, les concernés toutes et à la fin de l'opération de certification, ça, tout magistrat dans le système non, doit certifier. N'est pas concerné, il y a un groupe magistrat, les concernés tout le monde, mais cela arrive dans l'opération de certification. Il y a une équipe enquêteur qui allait dans la zone et puis les jeunes les profiter de présence dans la zone non, pour le faire en opération de certification. Pendant ce temps, il y a un magistrat qui a eu retard. On dit aller dans le tribunal X, un formulaire pour magistrat rempli, magistrat pour qu'on remplir, il y a un bac de demander magistrat pour le remplir, pour le soumettre, il faut qu'on soumette lui. Ça fait que enquêteur a quitté le tribunal X et puis il y aller dans le tribunal Y. Le processus a commencé là, combien magistrat qui est certifié et qui n'est pas certifié? M'pagin chiffre dans tête, excusez, mais c'est promis, m'a contacté le service d'administration centrale et m'a communiqué au chiffre. Magistrat fils, maître fils de préférence, et si gagne yon erreur dans le processus là, qui sa capable de viser décision ça? Puisque pas gagne aucun organe indépendant qui l'a pour comme recours pour moun yo tapote plainte moun qui victime yo. Ok. Dans le souci de respecter les droits des magistrats et une méthodologie que certification a adoptée. Et lorsque l'enquête l'a faite autour d'un magistrat, pour qu'on ait est-ce qu'on a une moralité, est-ce qu'on a une compétence, est-ce qu'on a une qualification en ce sens, pour être plus précis, il y a un bon formulaire. Un bon formulaire pour remplir, côté que magistrat répond à des questions, ensuite magistrat soumet pièce li, yo tenté magistrat. Donc ce contradictoire qui était inhérent à toute procédure judiciaire, l'est fait au cours de l'enquête. Le magistrat est entendu une première fois, une deuxième fois. Donc cette possibilité, si y a erreur, yo présenté rapport à magistrat pour lui-même lui dire si y a erreur. Et les réponses du magistrat Souvetine sont retranscrites dans le document. Donc, ce contradictoire que moi-même m'a prôné comme bâtonnier, comme avocat, ou pas qu'à décider son monde, son patandel, ou pas qu'à décider son pas moun en chance pour lui contredire l'information, il est fait au cours de l'opération d'enquête. Des magistrats, il y a une possibilité pour le dire, ça sont erreurs, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça c'est faux, même un contre-argumentaire. Parce que le magistrat n'a pas un contre-argumentaire. Donc oui, il y a une possibilité pour le faire, mais c'est au cours de l'opération, pas à la fin de l'opération. Ah, donc ça veut dire, dans la fin, par exemple, un magistrat qui n'est pas certifié là, il n'y a pas un recours. Allô? Allô, allô. Quand magistrat qui passe certifié là, il n'y a pas de recours, pas de côté que vous capable d'aller, puisque au deal bon. Déjà, donc et ça fait déjà pendant le processus là. Donc après résultat, pas de recours. Bon, je regrette que confrère moi que c'est en tête bien faite. Et confrère moi, M. Gédéon, je regrette que le tromper le soutien ça. Il te dit si pas de recours, c'est l'abdi mon crétin. Même peur pour moi, ça pas retourner jeune ni dans ça, en dépit de toute compétence. Li. Parce que la première erreur en juriste, c'est que il y a une tendance et distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est plus grande prudence, tout juriste doit gagner, pas mettre ça. Pas prendre prétention, pas prendre pensée pour faire tourner la loi. C'est ça, parce que la loi est la loi. La loi est l'expression populaire consacrée par une procédure, par une plus haute constitutionnelle. Donc, on n'a pas qu'à envie en bagaille, pense en bagaille et pour dire faut le faire. Maintenant, ceux qui croient, c'est pour dire qu'on est aujourd'hui, dans qui texte, dans qui article. Maintenant, si pas y a aucune disposition légale qui dit qu'il y a un recours en matière de certification, on n'a pas qu'à inventer, on n'invente pas la loi. Et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils ont même appliqué la loi. Ils n'ont pas qu'à créer côté la loi muet.
Donc, je pense, on rappelle m'a fait à tout juriste, pas dit son pensée au nom de la loi. Laisse la loi parler, dit c'est la loi parler. Laissez ou cap parler, dit c'est ou parler. Je mets défi un juriste haïtien ou étranger qui est capable d'annoncer un seul texte de loi qui montre qu'il y a un recours en matière de certification. Maintenant, quel est l'erreur grave? L'erreur grave, c'est que vous gagnez en matière d'opération qui concernait les magistrats ou gagne trois catégories d'opérations. C'est là. Gagne l'opération que m'relait procédure disciplinaire. Si un magistrat commet une faute professionnelle, lui fait un justiciable mal, justiciable là capable porter plainte contre le magistrat ça. L'a déposé plainte en paquet, 15 jours plus tard, paquet par répondre, il déposé directement dans CSPJ avec accusé de réception de saleté déposé paquet A. Maintenant, CSPJ a un devoir pour réagir sur plainte. Si plainte trouve le recevable, CSPJ a choisi un conseiller comme rapporteur et on va mener enquête à partir de plainte. Après enquête, conseiller a soumis rapport comme rapporteur pour président CSPJ constitué un tribunal que nous appelons le tribunal disciplinaire et le magistrat a présenté à la date prévue avec avocat s'il le faut pour le défendre tête li et à la fin de la séance décision à prendre. Si magistrat pas d'accord décision à prendre contre client, il a fait recours. C'est ça article 26. 25-26, loi créée, CSPJ a parlé. Oui, il y a un recours s'il s'agit d'une procédure disciplinaire. Magistrat, pas d'accord à la décision, il y a fait recours, laisse à la bine devant, conseil en réuni en entier. Cependant, la certification n'est pas une procédure disciplinaire. La certification, c'est une procédure prévue par le législateur pour comme condition pour entrer dans la magistrature. Très bien, c'est important, guerrier, pour nous préciser ça. Maître Profis, en pile dans la corruption, nous reprochons le juge, donc vous faites avec avocat. Donc, dans le processus de certification, juge pour refaire ou renforcer le système de justice là. Donc, en tant que représentant, on barreau dans le système pouvoir judiciaire, est-ce que vous ne pensez pas que barreau est capable de jouer un rôle dans ce sens pour renforcer la décision à un niveau avocat? Effectivement, je pense ça et je suis sûr que les bâtonniers et leurs barreaux respectifs travaillent pour voir comment ils sont capables de renforcer ça. Dernier, ça me voulait dire, c'est que certification, c'est une opération qu'il a avant même d'entrer comme magistrat ou de certifié. Donc, c'est pour le législateur, là, ça fait le législateur n'a pas pensé avoir de recours guerrier parce que le législateur, là, pas ouais certification comme en opération l'offre de magistrat. Par exemple, moun qui candidat pour entrer à la Cour de cassation, avant même yo entrer, avant même que yo nommé yo comme juge à la Cour de cassation, il y a obligation pour le certifier. Donc son opération en amont qui dit si ou ka magistrat. Maintenant, si c'est avant entrer, comment le législateur va le prévoir voie de recours maintenant pour un monde que on va l'apprécier si on entre ou pas. Donc c'est ça pour monde comprendre. On pas inventer la loi. Ça aurait été génial si tu gagne voie de recours pour qui ça? Parce que processus de certification intervenir dans un moment côté que nous gagne des magistrats qui gagne 15 ans 20 ans dans le système là qui pas certifié parce que son système n'a corrigé, législateur là a corrigé. Après un magistrat qui fait 12 ans 15 ans 20 ans dans le système, c'est comme si les magistrats qui certifié dans tête li, c'est normal, il entre dans le système là. Alors que le magistrat qui n'est pas encore certifié ou qui n'a pas fait l'objet du vertine, c'est comme un magistrat provisoire. C'est comme un monde qui a porté nos fonctions, nos travail, nos business, et puis ils ont 3 mois de probation. Voilà. Ça, c'est pas au courant. Ça, c'est cheminement. Yo. Parce que, j'en ai dit, il faut qu'on connaisse. Ou doit au courant, mesdames, messieurs, de qui prochaine étape qui s'est fait, qui s'est dit. Parce que, n'est-ce pas tellement coquin, ou quand CSP, j'ai fini la guerre pour ça là. Et puis après ça, tout le monde va gouiller.
Ah oui. Ou gamme CSPJ fin lage ça là. Et puis après ça, ouè gros bril fait. Ouè tout moun kap parle kou nou konne, ki avocat, ki juge, ki corrompu. Et ouè, youn koman sa ptire toya. Sou l'autre sa kap di, tel moun te impliqué nan la Mohamed Doval. Pawal yo koman sa parle, même garanti ou entre yon ko, yap chache joun yon entente. Ou gomen? Entre yon ko, yap chache joun yon entente, yap arrange yo. Pour yon wè nan ki mesure, mesdames, messieurs. Yon kapab kreye yon situation pou yon kase fè yon kouvri sa, de se sa yon habitué fè. E pa jodi yon la non, yon dosye negi sit kap sorti, e pa jodi yon la non, yon jwen dosye sou negi sit, me pa jom nye suivi, pa jom gen ki fè, yon pa jom arret ken neg non. Kounya la, nap suiv, ki sa, le ministère de la justice pour le faire parce que ça ou doit qu'on est prochaine étape là c'est le ministère de la justice qui t'a doit plancher sur ça. OK, c'est le ministère de la justice qui t'a doit dire exactement mais ça l'a fait mais comment l'a gérer ça. Eh ben nous même n'a continuer sur vous, n'a continuer tendre, n'a continuer fournir, j'ai regardé, n'a continuer suivre qui ça dossier à pied, qui côté dossier à privé, qui ça cap dit, qui ça cap fait. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, Chanel, la CIT, Réflexions, amis, qui avec vous, c'est Esdras Fizeme. Nous sommes contents de faire causer ensemble avec vous, nous sommes contents de présenter une émission. J'en nous fait, j'en nous toujours fait. Scandale justice là, toujours là, au contraire. Chaque jour qui joue, il y a un dossier qui rentre dossier. Chaque jour qui joue, il y a une information qui rentre information. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous allons croiser un peu plus tard pour une autre vidéo.